place des fêtes de Yaoundé ce 8 mars. La première dame absente, c'est Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui préside la cérémonie. Il est question en substance de sensibiliser davantage les femmes sur leurs droits et leurs devoirs dans la société. Les femmes doivent prendre conscience de ce que nous sommes un maillon phare de la société et nous devons de nous impliquer et d'aider la société camerounaise à aller de l'avant et avancer, tant dans le cadre professionnel que dans le cadre communautaire. Près d'un million ont répondu présentes pour la parade, issue de divers secteurs, entre autres la fonction publique, l'armée, l'éducation, le sport, la société civile, le commerce, les écoles nationales. L'Institut national de la jeunesse et du sport est habitué à ce genre d'exercice. Donc pour nous, ça a été une fois encore un exercice à faire. Donc nous nous sentons à l'aise puisque c'est ce que nous faisons tous les jours. Après le défilé, la suite du programme prévoit table ronde, causerie, débat pour certaines, réjouissance pour d'autres, sans débordement.